Docteur Choukri Rachid, président du syndicat national de médecine générale. Au sein de notre syndicat, nous estimons que la priorité des priorités pour le citoyen marocain, c'est l'élargissement de l'accès aux soins. Alors si cette nouvelle loi qui va permettre l'ouverture du capital des cliniques aux investisseurs, si cette loi va permettre l'installation de ces cliniques dans les villages les plus reculés pour faciliter l'accès des citoyens à la santé, au même prix, au même coût que les structures nationales, sans nuire à l'intérêt des prestataires de soins, nous dirons oui. Mais apparemment, ces structures vont s'installer dans les zones où le pouvoir d'achat est élevé. Ils vont s'installer en l'occurrence à Marrakech, près de la Palmeraie, pour pouvoir faire du tourisme médical et permettre à ces gens venus d'ailleurs des convalescences dans des resorts 5 étoiles.